L'ange numéro 69, Rochelle. Il régit du 1er au 5 mars. Il est l'ange de la restitution. Il nous aide à retrouver les objets, les idées ou les sentiments perdus ou volés et nous permet d'apprendre à donner et recevoir dans nos échanges avec les autres de façon saine et équilibrée. Il nous aide à retrouver le potentiel qui était perdu. Avec cet ange, nous pouvons développer les qualités suivantes. Restitution. Accorde à chacun ce qui lui revient. Retrouve les objets, les sentiments et les pensées perdues ou volées. Succession, héritage. Notaire, magistrat. Intuition. Étude des lois et de la justice. Étude de l'histoire. Archives et bibliothèque universelle. Da'at. Science pratique et théorique. Faculté de donner et recevoir avec aisance et facilité. Administration, comptabilité, secrétariat. Retrouve le moi divin, l'androgynie originelle. Nettoie les contenus karmiques, transforme les karmas. Nous pouvons rectifier les faiblesses humaines suivantes. S'approprier ce qui ne lui appartient pas. Jalousie, possessivité, égoïsme. Relation de couple basée exclusivement sur la sexualité et sur la matière. Abus sexuels, libertinage et relations multiples. Problèmes familiaux. Difficultés en lien avec la succession, l'héritage et le travail des notaires. Des magistrats. Problèmes relatifs à l'administration, la gestion des ressources, la comptabilité et le secrétariat. Esprit trop pragmatique. Trop focalisé sur l'aspect pratique. Problème avec le donner et le recevoir. Usurpation de biens, vol, ruse,
peur existentielle, insécurité, vampirise, prend l'énergie des autres, manipulation des faits historiques, mégalomanie, problèmes juridiques, injustices flagrantes, procès qui n'en finissent plus, ruines, manque de réceptivité ou d'émissivité. Nous pouvons l'invoquer dans les situations suivantes. Héritage. Objet perdu. Oubli, oublié. Restitution. Revenir dans son pays natal. Succession. Douce pensée angélique.